Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Le Père Noël a le plus beau des métiers, faire plaisir. Il a pourtant un grand regret, c'est d'être toujours tout seul, toute la journée. C'est vraiment dur de n'avoir jamais, jamais personne à dorloter. Un soir, le Père Noël regarde les jouets qu'il a fabriqués et il s'arrête devant son préféré. « Mon petit homme chiffon, que tu es mignon !» C'est alors qu'il entend une petite voix. « Hé, ne me laisse pas ! J'ai peur du noir, moi !» C'est Tom Chiffon qui a sauté sur ses pieds et qui parle. Il entend la petite voix lui demander « Tu sais ce qui me ferait plaisir ? Un bon dîner !» Alors, c'est bon, hein ? Ça te plaît ? Pourquoi t'es tout rouge ? Pourquoi tu ris tout le temps ? Parce que je suis content. Le lendemain matin, le Père Noël se réveille un peu fatigué parce que Tom Chiffon s'est glissé dans son lit et qu'il a gigoté toute la nuit. Il lui prépare un petit déjeuner, puis il dit... « Maintenant, il faut travailler. Hop ! Tout le monde à l'atelier. » Mais dehors, il a neigé. Et ce jour-là, le Père Noël préfère jouer dans la neige avec Tom Chiffon. Le soir, il n'est pas très fier de lui. Que se passera-t-il à Noël si les jouets ne sont pas finis ? Le lendemain, Tom Chiffon a très envie de faire un tour en traîneau dans le ciel. Le Père Noël dit « D'accord, mais pas longtemps. Il y a du travail qui m'attend. » Le Père Noël file dans son atelier et il travaille à la lumière de la bougie toute la nuit. Au matin, ouf, tout est terminé. Alors, il entend une petite voix lui demander « Je voudrais bien avoir un costume comme le tien pour t'accompagner ce soir. Pas de problème, dit le Père Noël. Le soir de Noël, tout est prêt. Les cadeaux, le traîneau et les deux Pères Noël, le petit et le gros. Mais le Père Noël est si fatigué qu'il s'endort. Tom Chiffon est bien obligé de se débrouiller tout seul. Quand le Père Noël se réveille, plus de Tom Chiffon. Juste une petite lettre. Cher Père Noël, j'ai distribué tous les jouets, mais arrivé à la dernière cheminée, il n'y avait plus un seul cadeau, alors je me suis glissé dans un soulier. Ne sois pas triste, je t'aime beaucoup. Joyeux Noël. Signé Tom Chiffon. En rentrant chez lui, le Père Noël est triste. Mais devant la cheminée, que voit-il ? Un petit cadeau dans ses souliers. « Tu sais ce qui me ferait plaisir ?» dit Tom Chiffon. « C'est que tu mettes ta robe de chambre et tes chaussons, et que tu me laisses préparer le réveillon. » Et toute la soirée, il n'arrête pas de le questionner. « C'est bon ? Ça te plaît ?» À la fin du dîner, le Père Noël demande « Pourquoi tu es tout rouge ? Pourquoi tu ris tout le temps ? » Et Tom Chiffon répond « Parce que...
parce que je suis content. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Ce matin, le Père Noël reçoit une lettre. Cher Père Noël, je voudrais un ours en peluche. Signé, le grand loup des bois. Un cadeau à un loup? Et pourquoi pas aux souris et aux baleines tant qu'on y est? Le renne velours dit: tu n'as pas tout lu, Père Noël. Regarde en bas de la page. C'est pour un bébé que j'ai trouvé. Ah, je connais la tanière de ce loup. C'est là, dans cette forêt. Est-ce qu'il y a au moins une cheminée dans cette tanière? C'est la nuit de Noël. Alors le traîneau du Père Noël survole la forêt et il se pose au-dessus de la tanière du grand loup. Le grand loup explique: j'ai trouvé ce bébé abandonné dans la forêt. C'est une petite fille. Je l'appelais Marguerite, mais elle ne peut pas vivre avec les loups. Il lui faut une vraie famille. Père Noël, toi qui connais tant de monde. Le Père Noël commence par grogner, puis il sort de sa hotte un couffin de poupée et il y couche Marguerite avec son ours en peluche. Chaque fois que le traîneau s'arrête, Marguerite se met à pleurer. Le Père Noël dit à ses reines: continuez à galoper autour des cheminées. Pas trop vite, Marguerite a besoin d'être bercée. Le Père Noël se reposerait bien un peu, mais quelqu'un s'amuse à lui tirer la barbe. C'est Marguerite. Elle a envie de jouer. Le Père Noël trouve Marguerite si mignonne qu'il a bien envie de la garder. Mais le renne velours lui dit: et que feras-tu, Père Noël, quand elle pleurera la nuit? Le Père Noël est très étonné. Ça pleure la nuit, un bébé? Oh, oh, mais moi quand je dors, même le tonnerre ne pourrait me réveiller. Oh, 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 oh. Bientôt, le traîneau frôle une maison aux fenêtres éclairées. Oh, j'ai cru voir passer le traîneau du Père Noël. Allons, allons, tu sais bien qu'il ne s'arrête pas dans les maisons où il n'y a pas d'enfants. Mais s'il nous apportait la petite fille dont nous rêvons depuis si longtemps? Non, non, il ne faut pas rêver comme ça. La dame, perdue dans son rêve, continue. Et si ma petite fille pleurait parfois, la nuit, je l'entendrai, je me lèverai, et je tiendrai sa petite main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Le monsieur dit tout bas: tu sais bien qu'il ne faut pas penser à ça.
Le Père Noël a bien du mal à repartir. Le renne velours l'appelle « Allons, Père Noël, il faut y aller maintenant. » Quand tous les cadeaux sont distribués, le Père Noël retrouve sa maison. Dans son album, il colle la photo de Marguerite et il écrit en dessous « Souvenir du plus beau Noël de ma vie. » Alors le renne velours lui dit « Tu verras, Père Noël, l'année prochaine, quand tu porteras son cadeau à Marguerite, Noël sera encore plus beau. » Mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. On pourra dire ce qu'on voudra, le Père Noël a bien du mal à finir à temps son travail. Il y a tellement d'enfants sur Terre et tellement de jouets à leur faire. Il faut dire qu'il n'est pas du genre à aller dans les magasins. Il n'achète rien, le Père Noël, il invente tout. Il dessine, il bricole, il coud pour faire des jouets qui ressemblent exactement à ceux que commandent les enfants. Alors évidemment, c'est long, c'est compliqué. Et quand par hasard c'est raté, il pique une bonne colère. Avant de tout recommencer. Voyons, voyons. Il y a plus d'un milliard d'enfants et qu'est-ce que j'ai fait pour le moment? Le nounours de Victor, le train électrique de Juliette et le camion grue d'Augustin. En cette année, il faut que je me fasse aider. Alors il s'installe à son bureau et il écrit. Monsieur sérieux, vieux comme le monde, cherche personne aimant les enfants pour préparer une grosse surprise que tout le monde attend. Pour se faire connaître, accrocher une chaussette à sa fenêtre. Et il envoie son petit papier à tous les journaux. Trois jours après, le Père Noël jette un coup d'œil dehors. Oh, ça, voilà qui commence bien. Rien que dans sa rue, il en compte 20. Alors il enfile son costume passe-partout, celui qui lui permet de se promener sans être reconnu, et il sort compter les chaussettes. Il ne rentre qu'à la nuit tombée, bien fatigué, mais tout content. Hé, ça en fait les gens qui aiment les enfants. Le lendemain matin, le Père Noël enfile son costume à nuages blancs, celui qui lui permet de passer dans le ciel très discrètement, et il va glisser dans chaque chaussette le mode d'emploi pour faire un jouet. Il distribue le travail au hasard. Et c'est comme ça que les jours suivants, il peut voir de très vieux grands-pères apprendre à tricoter des pulls verts, des maîtresses d'école s'énerver en fabriquant des robots très compliqués ou des motards coudre des petits habits de poupées. Et puis la veille de Noël arrive.
Avis à toutes les chaussettes, monsieur sérieux, vieux comme le monde, passera prendre la chose la nuit prochaine dans vos chaussettes. Le lendemain soir, le Père Noël enfile son costume étoilé, celui qui lui permet de passer inaperçu quand la nuit est tombée, et il va faire le ramassage des jouets. Mais il a un mal fou à ne pas se faire voir. Enfin, c'est le grand jour. Le Père Noël sort du placard son fameux costume rouge, celui qu'il garde pour le grand soir. Alors, tout propre, bien peigné, il s'en va pour la distribution. Et c'est comme ça que le lendemain de Noël, on a pu voir de vieux grands-pères regarder d'un œil très fier les pull-overs que portent les enfants, des maîtresses avoir envie de jouer avec les robots des garçons, ou des motards s'arrêter net en voyant marcher sur le trottoir des petites filles avec leurs poupées. Et dans le journal, on pouvait lire « Merci à toutes les chaussettes, surprise attendue réussie, à l'année prochaine. » Signé Père Noël. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Monsieur Lion vient de recevoir une invitation. Il s'écrie « Quelle veine ! On m'attend pour le réveillon. Je vais revoir mes chers amis et je vais pouvoir montrer aux enfants mes nouveaux tours d'adresse. Allons, il ne faut pas que je sois en retard. » Et vite, Monsieur Lion se met en route. Quand il arrive chez ses amis, toute la famille l'attend sur le perron. Monsieur Lion ne résiste pas au plaisir de faire un premier tour d'adresse, puis il offre son bouquet. « Bonsoir, chers amis. On se met à table. Tout le monde est de très bonne humeur. » C'est Anna qui fait le service. Les enfants crient « S'il te plaît, Monsieur Lion, montre-nous un autre tour !» Qu'à cela ne tienne, Monsieur Lion, ravi, s'exécute. La famille est écroulée de rire. La maîtresse de maison rit si fort que sa boucle d'oreille se détache et roule sous la table. Tout le monde se précipite pour retrouver la boucle d'oreille, sauf Monsieur Lion, qui est très occupé à mâcher un os. C'est à ce moment-là qu'entre Anna. Elle voit Monsieur Lion tout seul en train de sucer son os. Elle sort sur la pointe des pieds. Allô, allô, venez vite, il y a un lion chez nous. Il a mangé tout le monde et il veut me croquer pour le dessert. Les policiers encerclent la maison.
Les dompteurs du cirque préparent des filets, des cordes, des fouets, tout ce qu'il faut pour capturer une bête sauvage. Puis ils se précipitent dans le salon et ils voient Monsieur Lion dans un nouveau numéro et toute la famille écroulée de rire. Personne n'a été mangé. Au milieu des invités, Monsieur Lion continue de montrer tous les nouveaux tours qu'il a inventés. Tout le monde crie « Encore un ! Encore un !» La maîtresse de maison fait des sourires à ses nouveaux invités en disant « Ce n'est qu'une lamentable erreur, vraiment. Mais reprenez donc un petit gâteau. » Monsieur Lion s'écrie « Et maintenant, voici le tour le plus difficile !» Quand Monsieur Lion a fini son tour le plus difficile, l'heure d'aller au lit est passée depuis longtemps. Bonsoir tout le monde. Alors, tout le monde regarde Monsieur Lion s'en aller, en se demandant quel nouveau tour il va inventer au clair de lune, avant d'arriver.